Oui, monsieur Mishra. Maman. Oui, oui. Oui, bon, très bien. À tout de suite. Maman, Antara. Maman, Antara, écoute. Antara. Tati va revenir maman, tout de suite. Maman, Antara. 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 Antara, maman. Antara, maman. Antara, maman. Antara. Antara, maman. Antara, maman. Qui a-t-il? Antara, maman. Antara, maman. Ce n'est rien. Elle était... Antara, maman. Antara, maman. Antara, toujours, était ainsi qu'Averi? Antara, maman. Elle est plus calme depuis ces deux dernières années. Antara, maman. Anuradha l'emmenait souvent chez les médecins spécialistes. Antara, maman. Aditya, je vais la changer bien vite. Antara, maman. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Antara, maman. Antara, oui. Maman. Occupez-vous d'elle. Maman. Antara, merci. Maman. Antara, maman. Antara, maman. Antara, maman. Antara, maman. Antara. Anuradha était très heureuse d'avoir Antara dans sa vie. Elle disait qu'Antara lui donnait une bonne raison d'être en vie. C'est quoi ça? Peut-être la réponse à vos questions, Aditya. Elle était vraiment très heureuse de tout ce qu'elle avait. Mais savait qu'elle était toute seule dans la vie. Elle s'inquiétait du sort réservé à Antara, s'il lui arrivait quelque chose. C'est peut-être pour cette raison qu'elle avait laissé cette lettre pour vous. Je vais dormir maintenant. Si vous avez besoin de moi, faites-moi savoir. Cher Aditya, j'ai le droit de t'appeler comme ça. Si tu es en train de lire cette lettre, cela veut dire que je suis décédée. Et tu dois être inquiet, n'est-ce pas? Tu as déjà vu Antara. Elle te ressemble beaucoup. Elle est très bonne en maths. Même son cœur est pareil au tien. Très direct, vraiment honnête. Et innocent. Alors que je m'assieds pour t'écrire cette lettre, d'anciens souvenirs me reviennent. Je t'ai fait de la peine, n'est-ce pas? Et je te brise toujours le cœur. Je t'ai fait pleurer. Cette punition, je la paye depuis longtemps. De longues années. J'ai même pensé à revenir vers toi, mais
quand je me suis enfin décidée à le faire, j'ai appris que tu étais le mari d'une autre femme. Non, je ne te reproche rien du tout. J'étais sincèrement contente de te voir si heureux. Et quand Antara est née, je voulais venir avec elle pour te serrer dans mes bras. Tu n'as aucune idée combien ça a été dur pour moi de venir à toi. Je ne voulais pas ruiner ton bonheur retrouvé. Mais le cœur d'une mère pense toujours à son enfant. Et c'est cet amour maternel qui, aujourd'hui, me pousse à t'écrire cette lettre. Parce que fera ma fille quand je ne serai plus? Es-tu capable de la prendre en charge? Tu as tous les droits de la refuser. Et je n'insisterai pas. J'ai intégré le fait que même les enfants qui n'ont aucun parent peuvent aussi grandir correctement. Occupe-toi juste de la mettre dans un bon orphelinat. Un endroit où l'on va bien s'occuper d'elle, où elle sera aimée. Et Kaveri va t'aider à faire tout ça. Je t'en prie, rends-moi ce dernier service. Et si tu le peux, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Je t'aime, Aditya. Je t'ai toujours aimé. À toi pour toujours. Anuradha. Aditya? Aditya? Du thé? Buvez donc votre thé, s'il vous plaît. Je vais voir la petite Antara. Antara, ma fille, il n'y a pas d'école. École. Calme-toi, école, s'il te plaît. École. Bon, d'accord, école, je vais te mettre école, ton uniforme. D'accord? Bonjour, je suis Savitri, du foyer pour enfants. Je vais conduire Antara à l'orphelinat. Entrez donc. Asseyez-vous, j'arrive. Antara? 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 Tati promet qu'elle viendra te voir. D'accord? Conduis-toi bien. Bien, partons.
Attendez. Vous ne la prendrez pas. Elle reste avec moi. Et qui êtes-vous ? Je suis... Je suis son père. Et Antara est mon enfant.